J'arrive à appuyer sur le bouton encore, pas de complètement sclérosé. C'est bon. M'entendez là? Ok. Donc l'idée, c'est d'essayer de passer, de faire un inventaire sur les questions qu'on se pose en pratique, en fait, tous les jours dans les RCP d'uro-oncologie. Vous connaissez le contexte des RCP d'uro-oncologie. J'ai pas mis la photo ici, mais c'est un contexte parfois particulier. Pourquoi? Parce que dans le cancer de la prostate, il y a énormément d'investissements qui sont faits aussi en chirurgie, notamment les robots. Donc pour parler que de notre institution, on avait un robot et maintenant on va avoir un deuxième robot. Et quand on a deux robots, il faut les remplir. Donc parfois, pour être très pragmatique et transparent, parfois on a des indications évidentes de radio-hormonothérapie qui n'arrivent jamais à la radio-hormonothérapie. Ce n'est pas la faute d'une personne, de deux personnes. Mais parfois, les urologues, et très souvent les urologues, ont aussi leurs arguments à avancer pour que les patients choisissent ou parfois ne choisissent pas parce qu'ils ne connaissent pas la totalité des tenants aboutissants et de prendre la chirurgie d'abord et de faire la radiothérapie adjuvante après. Ceci étant dit, la radiothérapie adjuvante n'est pas un mauvais traitement non plus. Donc ça, on se le dit pour se rassurer. Alors, il y a un certain nombre de controverses, mais également de certitudes. J'ai prévu ce plan pour juste illustrer, en fait, ces propos sur la prostate en place. Parce que j'avais une demi-heure, là, je ne vais plus avoir que 20 minutes. En fait, c'est très compliqué de faire toutes les certitudes et toutes les questions qu'on se pose, et dans la situation adjuvante, dans les rechutes biochimiques, dans la prostate en place. Donc, du coup, j'ai choisi de me focaliser vraiment sur la prostate en place aujourd'hui, et comme ça, je force la main au comité scientifique pour la prochaine fois, pour m'inviter pour faire le reste du post-opératoire. On va pa passer, parler de la place de l'IMRT, de la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, avec JRT bien sûr, d'un point très important qui est l'escalade de dose sur la prostate, d'un point aussi important qui est l'hypofractionnement, et puis la place de la radiothérapie ganglionnaire. Je pense que ce sont les questions majeures qu'on se pose aujourd'hui en RCP, en tout cas en radiothérapie. Et j'ai fait l'inverse dans cette présentation. Au lieu de faire des conclusions, je vais faire les messages avant de commencer la présentation. Et comme ça, vous prenez la photo ici quand vous voyez le message. Et je vais essayer de justifier le message que je vais vous présenter. Pour l'IMRT et l'IGRT, je pense que dans la pratique aujourd'hui, c'est incontournable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en premier, ça réduit la toxicité. Et là, on est certain de cela, puisqu'on a de plus en plus d'études. Et surtout, si on pense à ce qu'on va discuter tout à l'heure, ça permet de donner des doses plus importantes si on croit que l'impact de la dose est important dans le cancer de la prostate. Souvenez-vous, peut-être que dans la salle, il n'y en a pas tant que ça, en fait, qui connaissent la première partie de cette diapositive, c'est-à-dire le 2D. Et puis on est passé au 3D. Vous voyez que le volume n'est plus absolument n'est plus le même. Et quand on passe du 2D au 3D, on a ce schéma qui est vérifié par beaucoup d'études. Vous voyez que le taux de rectite radique que vous allez avoir quand vous allez faire du 2D et quand vous allez faire du 3D, vous voyez que la différence, elle parle d'elle-même, et les taux de toxicité digestive et rectale ont été divisés par deux, voire par trois, grâce au passage du 2D au 3D. Ensuite, on a l'évolution naturelle du 3D vers la radiothérapie conformationnelle tridimensionnelle. Je ne vais pas vous refaire tout le... Pardon, vers la modulation d'intensité. Je ne vais pas vous refaire tout le topo là-dessus, vous connaissez par cœur tout cela.
Mais je pense que l'un des points les plus importants, c'est de voir ce que l'on fait tous les jours, en tout cas le plus fréquemment possible, j'allais dire, parce que selon les centres, on peut avoir un certain nombre de différences en pratique. Et ce que nous faisons tous les jours est donné par l'imagerie qu'on peut acquérir au moment de réaliser les séances. Il n'est pas concevable en réalité de faire ce que nous voulons faire avec la technologie sans s'aider de l'imagerie. Ce n'est pas possible. Donc il est inutile de réfléchir dans son bureau pour dire, tiens, je vais augmenter la dose, je vais faire telle ou telle dose parce que je suis dans telle ou telle circonstance, si je ne sais pas où je mets, si je ne sais pas où je mets cette dose, si je ne connais pas mes contraintes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malgré tout, et avec toutes ces imageries que je peux avoir à ma disposition, je vais avoir un certain nombre de paramètres qui vont m'embêter tout le temps. Ils vont m'embêter parce qu'ils ne vont pas me permettre d'assurer ce que j'aurais aimé assurer par rapport à mon imagerie de référence. Et vous connaissez tous ces problèmes de réflexion vésicale, réflexion rectale au moment de la séance, les difficultés que nous avons pour s'assurer d'être le plus proche possible, voire superposable par rapport à l'image de référence, et les longs, parfois la longueur de ces séances du fait de ces ajustements pendant ou juste après la première imagerie de contrôle. Ceci étant dit, si vous prenez cette vieille diapositive, vous voyez que dès l'émergence, dès le début de la modulation d'intensité, on a eu un engouement énorme pour cette technique, pour son utilisation. Et vous voyez, là, il y a déjà 13 ans, 14 ans, on avait aux États-Unis une flambée d'utilisation de l'IMRT dans beaucoup de localisations, avec, évidemment, comme d'habitude, comme cela a été pour les protons il y a quelques années, l'importance lucrative que ça comportait d'emblée à cette époque-là. Donc il y avait évidemment le gain qu'on en attendait, mais également le bénéfice qu'on pouvait avoir. Le bénéfice, il est aussi obtenu par les résultats dosimétriques où les premières études d'emblée ont montré qu'on gagnait sur les DVH, sur les doses volume histogramme, quel que soit le type d'organe à risque considéré. Vous voyez les deux jaunes comment elles s'écartent, vous voyez les deux courbes violettes comment elles s'écartent, les deux courbes vertes comment elles s'écartent, et les courbes bleues comment elles s'écartent également. Ceci résume à lui tout seul cet engouement initial avant même d'avoir les résultats cliniques qui sont arrivés rapidement dans un certain nombre d'essais, dans un certain nombre d'études, qui n'étaient pas focalisées initialement sur cette particularité de comparer la radiothérapie conformationnelle à la radiothérapie avec modulation d'intensité. Globalement, je vous cite déjà cet essai que vous connaissez sans doute, où on n'a pas d'hormonothérapie, donc là on a affaire à l'effet de la radiothérapie toute seule, vous voyez 1500 malades, et dans cette étude, on compare l'escalade de dose, on va en reparler tout à l'heure, presque 80 degrés versus 70 degrés, et à l'intérieur de des critères d'inclusion, on permettait d'inclure et les 3D et les radiothérapies conformationnelles avec modulation d'intensité. En fait, ce qui s'est passé, le fait de ne pas disposer d'études comparatives IMRT et 3D, on s'est basé assez rapidement sur les données qui pouvaient résulter en faisant des analyses de sous-groupe pour regarder la toxicité. Vous voyez ici, par exemple, c'est la toxicité aiguë avec la différence qu'on peut avoir pour ce qui est des grades 2 ici pour le digestif par rapport à l'urinaire, et puis quand on les rassemble toutes les deux, et l'absence de toxicité aiguë de grade 3, quelle que soit la technique. C'est un exemple que j'aurais pu prendre parmi énormément d'autres exemples. Évidemment, si on regarde pareil avec le temps le devenir de ces malades qui avaient une escalade de dose, on a les résultats sur l'efficacité, mais on a également la mise à jour pour cet essai randomisé du RTOG. Pareil, on a la confirmation de l'impact de la technique de radiothérapie
sur la décroissance de la toxicité au niveau notamment digestif. Et si je reprends maintenant la toxicité qui a été observée à l'époque avec ces techniques 2D, 3D, et en mettant uniquement dans ces premières études d'IMRT, regardez sur cette dernière colonne l'exemple de la tolérance digestive que vous avez, alors que pour le 2D et le 3D, évidemment, on avait utilisé probablement des doses moindres. Et vous voyez, on est là où on peut être à 75 degrés, on est à 60%. Là, on est à 76 degrés avec du 3D à 23%. On tombe à 4%, aux alentours de 4% de toxicité digestive de fait de la RCMI par rapport au 3D. Donc clairement, quand on retrace l'historique de ces toxicités initiales par l'introduction de la RCMI, on a clairement une différence. Le deuxième message, la deuxième photo, c'est l'escalade de dose. L'escalade de dose, il faut l'envisager que lorsqu'on a tous les arguments, qu'on a tous les moyens de le faire. On ne peut pas se permettre, à mon avis, d'imaginer de l'escalade de dose si on n'a pas les prérequis techniques dont on vient de parler, c'est-à-dire l'IMRT et l'IGRT. Le bénéfice, et souvenez-vous évidemment de ce qui s'est passé en France par rapport aux accidents irradiés. Le bénéfice selon l'adjonction de l'hormonothérapie à cette irradiation, c'est important de savoir, est-ce que le fait de rajouter de l'hormonothérapie va finalement amoindrir l'effet de l'escalade de dose, ou alors je vais obtenir de toute façon, avec l'ascension de dose et l'hormonothérapie, de meilleurs résultats. Et enfin, le point le plus important, et c'est ce que nous reproche d'autres non-oncologradiothérapeutes, c'est systématiquement dans ces essais d'avoir un impact sur la survie sans récidive biochimique et de ne pas impacter la survie globale de façon évidente. Et ça, c'est un point difficile à accepter. On l'a eu dans le sein, vous vous souvenez, et on l'a aussi dans la prostate. Et parfois, les mauvais angles donc, nous disent que nous traitons le PSA, mais nous ne traitons pas le cancer de la prostate. Et ce schéma résume un peu cette évolution-là. Vous voyez, on est parti des 60 ou 64 degrés pour aller jusqu'à 80 degrés avec les différents essais d'escalade de dose. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais je vais quand même vous montrer quelques-uns d'entre eux. Et je vais commencer par ceux qui ne mettent pas en place l'hormonothérapie. En fait, dans ces essais-là, 76-70 versus 76-80, vous voyez qu'on va prendre des patients où on va avoir le résultat réel de la radiothérapie sans interférence de l'hormonothérapie chez ces malades. Sur cette diapositive, son résumé, et c'est ça qui nous fait mal pour le moment, mais il ne faut pas perdre l'espoir de voir un jour des p-valeurs avec les mises à jour à ce niveau-là. Donc autant vous pouvez avoir un certain nombre d'impacts de l'escalade de dose jusqu'à 76 ou 78 degrés sur le devenir des malades en termes de survie sans rechute biochimique, du contrôle local, de la survie sans métastase et encore avec des p-valeurs qui sont à la limite, mais en fait, en survie globale, on a du mal à l'obtenir. Ceci étant dit, 1%, on peut dire 1 pour 1 ou 10% degrés pour 10% de survie sans récidive sont obtenus systématiquement dans les bras contrôle. Ça veut dire que, in fine, quand je donne 10 degrés de plus dans tous les essais, sans hormonothérapie, j'améliore ma survie sans rechute biochimique de 10%. Et ça, c'est clairement démontré dans tous les essais. Je passe celle-là. Qu'en est-il des complications? Les complications, j'ai mis qu'une seule ici, qui résume un peu la situation. Tout d'abord, les grades 3, ils sont beaucoup moins importants que les grades 2, et que globalement, on reste un petit peu sur l'idée où on a entre 70 et 78 degrés, on a en moyenne peut-être la moitié plus de toxicité de grade 2 au niveau digestif, et très souvent, on n'a pas assez d'événements au niveau des complications urinaires pour avoir une p-valeur significative. On a un souci avec ces patients.
Les patients que nous voyons pour les cancers de prostate, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tous les cas, on a pas mal de patients qui ont des problèmes cardiaques. On a pas mal de patients qui sont sous anticoagulants. La part de la radiothérapie chez ces patients-là est toujours un petit problème. Pourquoi? Parce que ces malades-là, quand vous vous interrogez, quasiment un sur deux est sous anticoagulant. Et c'est vrai que irradier un patient sous anticoagulant à 78 degrés et irradier un patient sans anticoagulant à 78 degrés, peut-être qu'il y a parfois un petit biais sur le plan de la fréquence ou de l'intensité des saignements qu'on va avoir pour la cystite et la rectite radique. Mais on peut en reparler tout à l'heure. On prend maintenant les risques intermédiaires faibles, donc 3 plus 4 par exemple, et puis on regarde 70 encore versus 80, 79,2, d'hormonothérapie. Là, pareil, vous voyez, comme tout à l'heure, il y a un impact systématique sur la survie, sur la survie sans récidive biochimique, avec systématiquement une p-valeur qui n'atteint pas la significativité pour le reste de la survie globale, qui n'est jamais impactée par l'escalade de dose. Si on prend maintenant les essais dans lesquels on met, pour certains malades, de l'hormonothérapie, j'ai pris comme exemple l'essai canadien, vous voyez 70, 76, 76, plus ou moins 6 mois d'hormonothérapie. Là encore, vous avez finalement la DFS qui est impactée, la survie sans rechute biochimique, et encore une fois, pas d'impact sur la survie globale. Alors je peux en passer comme ça un certain nombre, l'ORTC, dans lequel les résultats sont quasiment pareils avec une hormonothérapie courte et également l'essai du TROG australien qui, de la même façon, retrouve les mêmes résultats par rapport aux autres. Globalement, que vous prenez les risques intermédiaires ou que vous prenez les patients qui sont à haut risque, qui ont une radio-hormonothérapie, on reste un petit peu dans la même idée, où on a un impact sur la survie sans rechute biochimique essentiellement. Je passe celle-là, c'est une étude, je l'ai mise pourquoi? Parce que c'est une étude de registre. Et je voulais discuter avec vous simplement en deux minutes. Si je mets 16 000 malades, j'arrive à la survie globale. Donc globalement, les essais que nous avons actuellement à notre disposition qui comparent l'escalade de dose, peut-être qu'en termes d'effectifs, ne sont pas suffisants pour, tout simplement, en termes d'effectifs, pour montrer cette différence, plus degré, moins 8% de réduction du risque de décès du fait du cancer de la prostate. Donc vous voyez un petit peu les études prospectives randomisées qui nous permettent de faire des guidelines de niveau élevé par rapport à des études de registre qui peuvent montrer effectivement un impact sur la survie globale. L'autre message, c'est l'hypofractionné. Alors, le message que je voudrais apporter ici sur l'hypofractionnement, c'est que ça peut être une option qui est équivalente quand on ne fait pas le pelvis. L'idéal, c'est de faire cet hypofractionné quand on a, comme tout à l'heure pour l'escalade, l'IGRT et l'IMRT. Le bénéfice-risque de l'hypofractionné et pas complètement connu à très long terme. C'est un petit souci que nous allons discuter tout à l'heure. Le deuxième souci qu'on peut discuter, c'est que dans l'essai Princeps, que je vais vous montrer tout à l'heure, le bras de référence, c'est 74 degrés et non pas 78 degrés, par exemple. Et c'est vrai que le dernier message que je vais vous donner, s'il vous plaît, c'est vraiment les schémas extrêmes de 5 x 6, 5 x 7,5, 3 x 10, ou peu importe ce que vous voulez, vous avez des phases 2 pleines dans la littérature, le Cyberknife, des études avec le Cyberknife, publiées, mais aussi qui sont en cours. S'il vous plaît, en dehors d'un essai, on ne peut pas se permettre de faire des fractionnements extrêmes dans le cancer de la prostate. J'ai fait un seul patient, depuis que je m'occupe maintenant de la prostate, depuis 4 ans dans mon service. C'est un patient qui a des troubles psychiatriques qui ne pouvait absolument pas
avoir un traitement standard. Et c'est le seul patient à qui j'avais fait 6 fois 6 grès avec, avec une immobilisation au bout diaphragme. Il y a les premiers essais qui sont un peu résumés ici. Vous voyez, il y a du 3D, mais il y a aussi de la RCNI. Vous voyez qu'en termes d'efficacité, globalement, on n'a aucune différence. Et en termes de toxicité, on n'a pas de différence. Si je prends cet essai de non-infériorité que vous voyez ici du RTOG 0415, que vous voyez ici de 2006 à 2008, donc c'est quand même des inclusions il y a un certain temps, avec des patients qui avaient des cancers de bas risque ou de risque intermédiaire faible, et vous avez une randomisation entre 73.4 avec 1.8 et un hypofractionné modéré à 70 à 2,5. Vous voyez ici les résultats entre les deux bras, 73 et 70, avec les effectifs qui sont très bons. Vous avez ici une survie sans rechute qui est un petit peu plus élevée, mais non significative, et il n'y a pas de différence en termes de toxicité, en tout cas de grade 3. Mais l'essai qui fait parler beaucoup, c'est celui-là, c'est 74 grès, en 37 versus les 60 en 20 et versus 57 en 19. Et vous voyez, les effectifs, c'est quand même très impressionnant. Ce qui est intéressant aussi à noter dans cet essai, c'est l'intermédiaire. Il y avait 73%, trois quarts des malades avaient un stade intermédiaire. C'est très intéressant aussi, c'est le concept de faire une fraction de moins chez ces malades-là. Pourquoi créer un troisième bras avec une seule fraction, et on va y revenir probablement tout à l'heure. Si vous regardez à 62 mois les résultats, ils sont ici en termes de rechute, de survie sans rechute biochimique, 88.3, 90 pour les 60 et 85 ici pour les 57 grès. Vous voyez qu'en termes d'interprétation de ces résultats, donc il n'y a pas de différence entre les 74 et 60. Il y a une infériorité ici du 57 par rapport au 60. Et la conclusion des auteurs, c'est de dire que le 60 est une possibilité aujourd'hui à offrir aux malades. Ce qui est un peu gênant, bon, sur le plan de la toxicité, on est identique. Ce qui est un peu gênant, c'est de s'expliquer pourquoi on s'est hypofractionné avec une seule séance et finalement moins bon que tout le reste. La toxicité digestive et urinaire aiguë, vous voyez ici, selon l'échelle du RTOG, c'est 5%, sans aucune différence. La toxicité digestive supérieure ou égale à grade 2, tout à l'heure on a parlé de 10%, là on est de moins 15%, sans différence entre les différents schémas. À 5 ans, la dysfonction érectile de grade 3 ou 4 chez les patients est observé chez la moitié des patients, mais il n'y a aucune différence entre l'hypofractionné et le fractionnement classique, et la qualité de vie est superposable dans les deux groupes. Cette qualité de vie et cette dysfonction érectile, elle a fait l'objet d'une analyse à part sur 2100 patientes qui sont extraites de cette étude. La conclusion est que 60 grès avec des fractions de 3 grès n'est pas inférieur au traitement standard. Aucune différence en termes de tolérance. Et sur le plan médico-économique, je vous laisse imaginer l'intérêt et la recommandation des Anglais de dire que c'est un nouveau standard. Donc on regardera tout à l'heure ensemble, si vous voulez bien, si c'est réellement un nouveau standard sur la pratique courante. IPRO, qui est là aussi un essai allemand, 820 malades, 78 grès contre 64. Et là, vous voyez la différence dans les doses par fraction, elle est un peu plus élevée. Donc, au lieu d'utiliser les 3 grès du chip, ils ont utilisé 3.4. Et là, contrairement à tout à l'heure, on avait 3 quarts des malades qui étaient à risque intermédiaire. Là, on a 73% des malades, exactement le même chiffre, qui sont des hauts risques. Et par contre, ici, on a la précision exacte
des deux tiers des malades qui ont reçu une hormonothérapie et le suivi il est un tout petit peu plus bas que tout à l'heure, il n'est que de 4 ans. Et quels sont les résultats? Vous avez le bras 78 ici et le bras 64 ici. Vous avez ici 77% pour le bras, pour le premier bras de référence, 80% pour le bras hypofractionné, donc meilleur. Et vous avez 31% ici de la toxicité au niveau vésical contre 42%. La différence est statistiquement significative. Et sur le plan des toxicités au-delà des 120 jours, on a quasiment la même chose. Donc on a finalement, en termes de toxicité, on a pour les grades 2 à 120 jours, on a une p-valeur qui est ici à 0,05. Donc c'est intéressant de signaler. Sur le plan de l'efficacité, il n'y a absolument aucune différence. Ça a été rapporté à plusieurs reprises dans plusieurs congrès. On a le chiffre d'un côté qui montre aucune différence partout. On a celui-ci qui montre une petite différence sur le plan de la toxicité et à 4 ans. Mais le résumé, c'est qu'on est à 5 ans pour les deux essais hypofractionnés. Dernier point, il me reste 3 minutes. Dernier point, c'est la radiothérapie ganglionnaire. Alors, si on peut retenir le message, c'est que pour les hauts risques et les N+, c'est clair que l'irradiation pelvienne doit être une indication qu'il faut utiliser quand on fait le pelvis, l'IMRT, qu'il n'y a, là encore, pas de preuve sur le bénéfice sur la survie globale de l'irradiation pelvienne à aujourd'hui dans un essai randomisé. Les vieux essais que vous avez ici, RTOG et le GTUG, que vous connaissez sûrement, avec surtout celui-ci avec un nombre de malades important, un risque d'envahissement ganglionnaire supérieur à 15% qui est considéré comme étant le seuil au-dessus duquel on voudrait faire cette irradiation pelvienne, 50 grays, 70 dans la prostate, et la prostate seule, 70 grays, avec une deuxième randomisation dans cet essai pour connaître l'hormonothérapie, soit 4 mois avant, soit et pendant, soit 4 mois après la radiothérapie. Ceci et sont les trois techniques qu'on peut observer dans cet essai, donc le grand pelvis ou alors pour l'irradiation de la prostate seule avec un petit pelvis préalablement. Les résultats, ils sont ici. Vous voyez qu'en termes du pelvis en totalité, du mini-pelvis, c'est-à-dire le petit volume, et de la prostate seule, on a la PFS qui est significativement améliorée quand on fait le pelvis en totalité dans cette étude. La toxicité également est plus importante quand on fait le pelvis en totalité, le gros volume. Cette étude a été mise à jour, en tout cas l'essai du RTOG a été mis à jour, qui montre exactement les mêmes résultats par rapport à ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire une amélioration du contrôle de la maladie biochimique. La deuxième étude, c'est l'essai du RTOG, cette fois-ci plus ou moins l'hormonothérapie, mais c'est une étude qui a été, c'est une analyse d'un sous-groupe de malades, 153 PNA avec radiothérapie versus pas de radiothérapie, et en avant, on a un impact sur la survie globale dans cette étude. Mais c'est une étude d'un sous-groupe, ce n'est pas planifié d'emblée. Je vais terminer par deux slides. Si vous voyez ici l'auteur de cet article, c'était la description de la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité qui avait été utilisée dans l'ancien essai, dans l'ancienne technique du RTOG, avec, comme vous voyez, c'est dans l'article, vous pouvez le sortir et le trouver. Eh bien, quand on regarde maintenant ce qui apparaît dans la littérature avec l'affichage des sites de rechute, vous voyez ici, les sites de rechute sont également au niveau des iliaques primitifs. Et cet article, je vous le conseille vraiment de le relire. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est un paramètre très important,
est un paramètre très important pour la définition des volumes. Globalement, on ne peut pas descendre la limite, ici la limite supérieure de ce pelvis, on ne peut absolument plus le faire comme à l'époque. Si on se tient au mapping de toutes les rechutes, il faut que la cinquième lombaire soit dans le faisceau du volume initial et avoir tous les iliaques primitifs à l'intérieur du volume quand on regarde cette cartographie. Je vous remercie de votre attention.